Gloire à Jésus-Christ, shalom, shalom, serviteur de Dieu. J'espère que le Seigneur vraiment renouvelle vos forces et il vous soutient encore. Que le Seigneur soit glorifié pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait vraiment durant cette mission. Nous allons bien ici ce matin par la grâce de Dieu. Vraiment, le Seigneur nous restaure toujours. Et concernant ce que le songe que j'ai eu à faire avant ça, le culte d'action de grâce, au moment où on était en train de prier pour le Saint-Esprit, j'ai eu une vision, j'ai vu quelque chose. C'était dans un. C'est comme si c'est le monde entier que j'ai vu. Il y avait le vent qui soufflait, un grand vent. Et c'était comme l'enlèvement, vraiment. Les choses étaient en train d'être détruites un peu partout. Et d'un seul coup, j'ai vu une maison blanche qui était fondée sur le roc. Je voyais le roc en bas. Le roc était vraiment grand et solide. La maison était toujours sur le roc. Et je vois, on a écrit devant la porte principale, Jésus revient. Et la porte était à quelques mètres de se fermer. Il y avait un peu d'écart pour que la porte puisse se fermer. Et cette maison ne bougeait même pas. Elle était toujours sur le roc. Malgré le vent, les tempêtes et tout, cette maison était sur le roc. Et c'est là, j'ai vu que moi-même, j'étais dans l'assemblée, dans cette maison-là. D'un seul coup, tous ceux qui étaient dedans étaient en train de sortir. Et il y avait un escalier, ou bien, comment j'ai oublié le nom, un escalier qui est descendu du haut du ciel, quoi. Et quand on sort pour monter l'escalier, on change de vêtements, on monte. On monte. Vraiment, j'étais vraiment rempli de joie lorsque j'ai vu ça. Vraiment, j'étais vraiment rempli de joie. J'ai compris toujours vraiment que Jésus-Christ est le Dieu vraiment de ce réveil, vraiment.